Maspero Blue 46, Maspero Blue, le seul stream où on code sans indentation, sans left join, sans feuille de style et je sais pas quoi d'autre, voilà, sans écouter le chat surtout. Aujourd'hui, on va avoir. Alors, je commence tôt parce que je suis en forme, parce que j'avais du taf, mais j'ai décidé de faire un break, tu vois. Et il y a deux aspects en fait, ce que j'aimerais faire aujourd'hui. La première chose de sûr, j'aimerais qu'on puisse gérer la déperdition des objets. Je vais vous expliquer ce que c'est que dans quelques secondes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait quand on prend des objets, quand on creuse de la roche, cette roche disparaît. Voilà. Ça a l'air évident, mais dans notre système, c'est pas très évident. Et le deuxième truc qu'on va faire, c'est si j'ai le temps, j'aimerais bien faire une nouvelle génération de terrain. Je me sens d'attaque maintenant, je me sens un peu chaud. Alors que ça a été tellement compliqué avant. Cela ayant été dit, en fait, dans ma checklist, je me suis aperçu d'autre chose. C'est que quand hier, on a terminé, on avait plein de choses hier, mais on sait, quand on sait, je me suis aperçu d'une chose. Attendez, je vais reprendre. Non, je regarde l'anthologie de mon fameux personnage sourcier. En fait, quand je prends le sourcier et que je vais tout en bas, vous voyez, le sourcier a ramassé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Tiens, d'ailleurs. Ouais. Pourquoi? Il y a des petites erreurs parce qu'en fait, on n'a pas géré le fait de ramasser quelque chose. En fait, quand on pose un objet. Quand on le prend, pose, prend, pose, prend, ça on l'a géré. Par contre, quand on prend une plante dans le monde normal, ça on l'a pas géré. Je crois. Donc je vais vérifier ça. Donc c'est la première chose que je vérifie. Alors, les ramasser. Alors, il faudra que je retrouve les ramasser. Ça doit être dans gestion action. Et gestion action, là j'ai remenuage, là j'ai ramassé objet. C'est dans gestion objet. Là. Alors, ramasser objet, ça c'est au sol. Donc, ça c'est les objets qui sont au sol. Mais dans gestion nature, donc là on a acte égal prendre, d'accord? Et donc dans gestion nature, on a acte égale prendre new. Voilà, très bien. Donc, dans nos actions, c'est pas très clair, hein, je sais, mais dans nos actions, on a la parole, acte, regardez plantes, regardez champignons, regardez animal, regardez poissons, creuser, déposer. Donc là, prendre. On a l'objet et il est pris. Ok. Et là, il est inséré. Il est pris aussi. Je réfléchis, hein. Parce que j'ai besoin du type d'objet, en fait. Oui, parce que là j'ai l'objet, j'ai pas le. En fait, en fait le bug, c'est que je prends le mauvais type de choses. Donc là. Il faut que je récupère l'idée, d'accord? On va le faire, c'est ça. Select ID from inventaire. Enter by ID desk. Là, j'ai ID objet.
Et en fait, c'est idée-objet qu'on va sauvegarder. Voilà. C'était le seul problème du code. Voilà. Donc ça, c'est parler. On va le mettre en ligne. Et là, on va. C'est bien parler que je. Voilà. On va avec mon personnage. Ramasser un objet. Alors, le sourcier, on va prendre un peu, ramasser un peu de cristal diamant. Ah merde. Là, je peux pas en prendre plus. Ok, c'est bien. Donc là, je vais regarder l'anthologie, truc, lien que j'ai fait hier. Normalement. Ah, ça ne marche, ça n'a pas marché. J'ai pas regardé le numéro de l'action. Ah. L'action, c'est 23. Je vais quand même printer l'idée objet, voir si ça marche bien quand même. On va le refaire encore. Donc je vais déposer le cristal. Et je vais en prendre encore. Voilà. Regardons ce qui se passe. Ah oui, peut-être que ça n'a pas marché parce que ça. Alors, ramasser, effectivement. Pourquoi? Parce que. Je vérifie quand même. Je le dépose. En fait, ça n'avait pas marché, je l'avais déjà dans les mains. Regarde, regardons, ça marche. Ça marche. On va quand même. Je vais essayer de ramasser un arbre plutôt. Alors. C'est quoi? Des fleurs majestueuses de couleur noire. Mortelles. Mort en majesté, d'accord? N'hésitez pas à vous inscrire sur le jeu. Plus j'aurai d'inscriptions, mieux c'est. Je vais prendre un peu de mort en majesté. Ah, je peux pas en prendre parce que j'en ai plus. Je vais déposer le basalte doux. Je vais prendre un peu de mort en majesté. Voilà. Ok. Donc je vais enlever ensuite ce print. Ça sert à rien. Ça marchait, c'est juste que j'avais les mains pleines. Voilà, c'est bien. C'est parfait, ça fonctionne. Je vais déposer la blue à six pattes, le poivrier maudit. Et je vais prendre encore quelque chose. Donc ça, c'est quoi? Flamme fragile, d'accord. Alors, le flamme fragile, j'en prends un peu. Voilà. Et là, j'ai plus de trucs. Donc ça, c'est fait. On atteint notre premier objectif. Alors, checklist. Ma checklist est là. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, va faire quelque chose qui est un peu costaud, qui est la déperdition d'objets. Pour ce faire, on va créer une fonction. Donc la philosophie est la suivante. On a des objets, et au lieu de dire on a 15, 16, 1, 2, 3, par exemple, prenons les diamants. Au lieu de dire on a 1, 2, 3 diamants, en fait on a donné un indicateur de quantité qui est de 1 s'il y a un seul diamant. De 2, s'il y a quelques diamants. Et de 3, s'il y a beaucoup de diamants. Et donc l'idée, c'est que chaque fois qu'on va ramasser
une ressource, il y aura plusieurs cas possibles. Premier cas, si il n'y a qu'un seul diamant, on le prend, il est à nous et il disparaît de l'univers. Il est que à nous. S'il y a quelques diamants, on a une petite chance qu'en le prenant, le calque passe à 1. C'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'un diamant. Et si on a beaucoup, on a une petite chance que le beaucoup passe à calque. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, on va essayer de repérer déjà où est-ce qu'on prend les choses. Donc, les choses, on les prend là, dans ramasser. Donc, déposer non, on les prend dans. En fait, prendre non, c'est uniquement dans prendre new. Donc, ça, c'est quand on prend une ressource. Voilà. Donc, là, on récupère quoi? On a la nature de l'objet, on a le type d'objet, et on a une clé de protection. Donc, là, on va faire. On trouve la longitude et la latitude du héros. Et là, on va faire le check. Est-ce que combien on a sur le combien il y a de combien il y a du type de choses? Ah oui, mais attendez, parce que là en plus, attendez, je réfléchis, parce que la base de données elle est différente. Du coup, il faudrait que je fasse passer. Il faudrait que je fasse passer l'information de l'idée et du nombre. D'accord. On va faire ça. Donc, forcément, c'est dans gestion nature. Non, il est où? Gestion nature. Voilà. Donc, en fait, les deux choses qui vont nous intéresser ce soir, c'est parler et gestion nature. Donc dans gestion nature, déjà, on va faire passer plusieurs. On va se concentrer déjà sur les rochers. Tiens, on va travailler sur les rochers, ça peut être intéressant. Donc, on a le type. Voilà, là, on a le nombre, c'est cool. Et on a l'idée roche, ça, c'est cool aussi. Excusez-moi, je réfléchis. Hein. Il va falloir faire tous les cas pour tous les trucs. Ça va être hyper relou. Mais bon, c'est intéressant de faire ça. Est-ce qu'il y a un moyen plus simple? Si j'arrive à le faire passer. Alors, attends. Ce qui est pas simple, mais qui est assez secure, c'est de faire passer l'idée. L'idée, le nombre. Ouais. Ou l'idée, ça suffit en fait. Ah, mais je le fais passer l'idée en fait. Dans ces explores, ça. Ok. Bon. Attendez, je réfléchis. Relou, relou, relou. Ok. On va faire comme ça. Idée roche. Donc là, on fait passer. Type objet, clé. Donc là, on fait passer un truc qui s'appelle idée objet. On va faire passer le nombre aussi, comme ça, ce sera fait, quoi.